Réconciliation nationale pour un bon redressement. Le comité de réconciliation nationale, mis en place par l'ancien président Jacques Albert, a rencontré la presse ce matin. Les membres de ce comité, fidèles à leurs principes, estiment que dans la conjoncture actuelle, la réconciliation nationale est incontournable, étant donné que les Malgaches ont élu leur président de la République ainsi que leurs députés. L'objectif a été fixé, bâtir une nation dont les mots d'ordre sont solidarité et ouverture pour un bon développement. D'après Arnèvre Samuel, un membre du CRN, le nouveau régime atteindra ses objectifs s'il opte pour la réconciliation nationale. Selon lui, il s'agit de réconcilier les Malgaches entre eux avec les résidents étrangers à Madagascar, avec leur histoire, voire avec les autres nations. Cette réconciliation doit permettre aux Malgaches de se focaliser sur leur avenir en misant sur la solidarité et les valeurs culturelles.